Bonjour monsieur Fessal, j'espère que vous allez bien. Moi très bien, je viens ouvrir un nouveau vlog. On est mercredi, on est un peu tard que d'habitude. Je l'ouvre le lundi, mais c'est pas grave, on va le faire en 2 semaines, je pense. Parce que j'ai pas été trop bien début de semaine. Parce que samedi, dimanche, on était en convention. Je n'avais plus de voix, ça. Et je tousse encore beaucoup. Comme vous pouvez entendre. Et je me fais surveiller, garder. Des chronos. It's fun. Elle va jouer. Avant qu'il Les jeux arrive. vidéo, c'est génial. Quoi? Les jeux vidéo, c'est génial. Elle va jouer. Et du coup, hier, j'étais chercher Monsieur Chrono, comme il dit si bien. Et du coup, je suis passée à Primark et je me suis pris des petites couvertures doudou Stitch. Voilà. Celle-ci. À 8 euros, elle est. J'ai perdu l'étiquette. C'est pas grave. Voilà. Elle se trouve comme ceci. Vous avez Stitch et Angel. Là, c'est une petite. Elle fait 1m20 sur 1m50 cm. Voilà. Et j'en ai pris une autre que j'ai déjà dépliée. Pas encore utilisée, mais dépliée parce que j'en ai pris une pour ma chère amie. Du coup, elle se trouve comme ceci. C'est Stitch. Et Lilo, voilà, celle-ci elle fait 1 litre de personne, plus ou moins. Elle est géante, voilà, elle est tellement grande, voilà, mais elle est pratique pour réchauffer quand je suis sur le bureau. Voilà, après j'ai pris, je sais pas où je les ai mis là parce que je fais un diamond painting que je peux pas vous montrer pour le moment. Ah, ça c'est mes lunettes. Je me suis pris un lot de bics. C'est 4 bics, c'est ça? Ouais, 4 bics. Lilo et Stitch. Voilà. Pour 3 euros. Pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Par à Primark, c'est tout. J'ai acheté une comme ça à mon ami. Et je lui ai acheté un porte-clés avec marqué Disney, c'est tout. Et après, j'ai d'autres choses à vous montrer. Ça, on va mettre là en attendant. Je suis passée chez Molière. Et chez Molière, j'ai un petit peu trop craqué mon slip. Voilà. Du coup, je vais vous montrer ça. Mais d'abord, avant de vous montrer chez Molière, bon, ça c'est ce que j'ai lu. Je me suis pris sur Amazon. D'abord, je me suis pris le tome 2 de Rose. J'avais lu Rose. C'est Rose? Rose Rebelle. Et le tome 2 vient de sortir. Du coup, je me suis empressée de me le prendre. Pour le moment, ça fait une bonne grosse semaine que je n'ai plus lu. Voilà. Mais il me donne très envie. Voilà. Du coup, c'est de Plume et de Flamme. C'est de Mulan. Voilà. C'est le tome 2. Il est trop beau. Bien sûr. Voilà. Les chapitres. Du coup, voilà pour ça. C'est chez Hachette Rose. Par contre, je sais pas l'autrice de ce roman. Mais tant pis, on s'en fout. Voilà, j'ai un peu près, me semble, hein, quand même. Mais voilà. C'est parce que j'ai pas beaucoup de voix. Comme vous pouvez entendre, j'ai encore la voix un peu qui part en couille. Du coup, chez Molière, hier, je me suis pris le tome 2, que j'ai toujours pas lu le tome 1. Aussi, c'était un tome 2. Mais il est trop beau. Hop là, je me pique le visage. C'est de Sang et d'Enclume et de Glace, le tome 2, La Légende, chez Michel Lafon. Et c'est écrit par Alexiane Delis. Voilà. Le tome 1 qui était. Je vais vous le prendre, je vais vous le montrer. Je l'ai trouvé. C'était celui-là, le tome 1. C'était aussi de Sang d'Enclume et de Glace, le tome Métamorphe. Voilà, c'était celui-là, le tome 1. Et ça, c'est le tome 2. Ils sont vraiment beaux, tous les deux. C'est super beau. Par contre, celui-là est plus gros que celui-là. J'étais sur le cul quand je l'ai vu, en fait. Voilà. Je vais mettre ça à sa place. Et après, je me suis pris 3 petites poches. Parce qu'il me tentait bien. Vénénus en poche. Chez Colline. À Port Colline, voilà, de LJ Chen,
voilà. Tout le monde en parle et du coup ça me donne très envie de découvrir cette série. Voilà. Après j'ai craqué celui-là, je sais pas pourquoi. J'avais envie. Dark. Deep Dark, je ne sais pas comment on dit. C'est chez Addictive Poche. Voilà. De Sophie S. Payruxu. Enfin, soit il est beau. J'aime beaucoup la couverture. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'ai vraiment pas envie de trop parler pour le moment avec ma voix qui part en couille. Et le seul truc que je peux vous dire, c'est ce n'est pas celui qu'on croit, elle non plus. Voilà. C'est une histoire un peu dark, je pense. J'espère que je vais bien aimer. Si j'aimerais pas, ben, je les changerai. Et puis il y avait celui-là qui me tentait depuis longtemps. Mais que maintenant, les éditions Michel Lafon poche l'ont fait en poche. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Si Lern. Si les, enfin, vous voyez, j'adore cette couverture. J'aime beaucoup. Et si je ne me trompe pas, c'est une réécriture de Cendrillon. Mais je ne suis pas sûre à 100%. Voilà, mais il me tentait bien. J'aime beaucoup cette couverture. Shiny, shiny en plus. Voilà, c'est écrit. Tout petit en fait aussi. C'est tout petit les autres. Même celui-ci. Regardez, je vais vous montrer les deux autres pour celui-ci. C'est écrit vraiment aussi tout petit. C'est juste ça dans les poches. Celui-là, c'est encore plus petit, me semble. Voilà, c'est vraiment, vraiment petit. Mais voilà. Et après, j'avais vu sur Amazon qu'il y avait un livre prix mini à 4,99€. Du coup, je ne sais pas si c'était que sur Amazon ou si c'était partout. Mais j'ai vu que c'était partout. Du coup, je me le suis pris. Je vous laisse lire le titre. Voilà, c'est de Anne Wendell chez HarperCollins. À part celui-ci. Mais les autres, c'est... Non, non, et celui-là, c'est pas HarperCollins. C'est deux HarperCollins et deux autres. Voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Et j'avais vu celui-ci aussi, c'est écrit tout petit. Voilà. Et elle est sauvage, inacceptable, solidaire. Elle est têtue, insolente. Et il adore ça. Il adore le défi. J'ai plus de voix. Voilà pour les petits achats du jour. Voilà, j'ai que ça. J'ai aussi ce que vous êtes dessus, mais je peux pas vous le montrer pour le moment. J'ai une belle lumière. Parce que si je coupe ça. J'essaye, voilà, j'ai plus de lumière, vous voyez, là c'est la lumière, ça c'est sans lumière. Du coup je vous dis, je vais le laisser, je vais faire mon intro avec la lumière parce qu'il fait encore très moche, il pleut et cette voix qui ne veut pas revenir. Voilà, mais je fais des diamond painting que je peux pas vous montrer, c'est un cadeau pour quelqu'un. Voilà, du coup ce sera pour le... je l'aurai terminé. Moi, ouais, c'est tellement. Ou j'attrape un bouton là. J'attrape mal. Voilà. Et pour le moment, je ne lis pas. Parce que le week-end, j'ai pas eu le crédit de lire. Et depuis qu'on a terminé le défi avec Mariette, que je vous ai même pas repris. Parce que la semaine passée, il n'y avait pas de vlog. Cette semaine, il n'y a pas eu lundi, mardi. Je reprends vous aujourd'hui. Mais vous aurez jusque vendredi prochain. Ce week-end, il n'y aura pas de vlog. J'ai pas le crédit, j'ai pas le courage de. Voilà. Je vais pas vous monter juste 20 minutes de vlog, c'est con. Voilà. J'ai mon fufu qui s'étrangle tout le temps et je ne sais pas quoi faire. Voilà. Sur ce, je n'ai rien grand chose à vous dire. J'espère que je vais lire un petit peu dans ces jours. Voilà. Et celui qui me donne très envie de continuer, bien sûr, je ne l'ai pas. Il est caché. Oui, il est là. J'ai trouvé mon petit livre que j'ai envie de lire pour le moment. C'est celui-ci. Le sang et la cendre. Voilà. Je suis arrivée. Page 219, chapitre 13. Voilà. J'aimerais bien le continuer. Voilà. Mais c'est vrai que voilà. J'ai Monsieur Chrono jusque dimanche. Du coup, c'est compliqué de. Vraiment de se mettre à quelque chose, voilà. Mais j'espère lire un petit peu quand même. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser et je vous reprendrai plus tard parce que là j'ai plus de voix, ça s'entend, je pense. Du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain. J'espère que j'aurai lu un petit peu.
Ou alors c'est moi qui ai un problème de bras, mais il fait. Bah non. Attends. Mais il est plus gros. Oui, il est plus lourd. Flo, quand tu lis celui-là. J'aime déjà pas ce genre de film. C'est pas ouf. Seigneur des Anneaux, c'est le même truc que le Hobbit, donc moi je disais une, je disais l'autre aussi. Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je reviens dans ce vlog, on est dimanche. Je sais bien qu'on est dimanche. Dimanche 10 avril, je vous ai pas appris depuis un moment en vlog parce que j'étais malade, mais je vous ai fait. Vous verrez une. Je vous ai pris, je sais plus quand. Mardi, mercredi, je pense. Je sais plus. Et je vous ai pris un petit peu. J'étais à la Fnac et du coup, je vous ai pris des petits plans. Et là, tantôt, j'étais en brocante et j'ai deux, enfin, trois petites choses à vous montrer quand même. Ma lecture en cours, la lecture que j'ai lue et mes petits achats de tantôt. Je vais vous montrer si j'arrive à prendre. Voilà la pile. Voilà. J'ai tout ça pour 7 euros en brocante. Du coup, je vais vous montrer tout ça. C'est tous la même collection en fait, c'est pour ça que je les ai pris. J'ai pris la collection de Mickey, c'est la planète et les questions, les réponses, les villes du monde, voilà, de Disney. Voilà, y a certains qui sont abîmés, d'autres pas du tout, celui-ci ça va. Il a juste un poc, juste ici. Mais je me suis dit pourquoi pas, de toute façon, pour 7 euros. J'ai pris celui-ci qui est... C'est toujours la même la phrase, là, c'est tous la même, c'est la planète et les questions-réponses. Mais le titre, c'est celui-là qu'il faut absolument que je vous dise. Les bénéfices extraordinaires. Et du coup, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Plus ou moins, je vous montre. C'est vrai que je descends un petit peu comme ça, j'ai pas besoin de monter trop haut. Vous voyez, ça fait un peu comme ça, vous expliquez tout le volcan. Du coup, voilà, je vous mets le titre. Voilà, après là c'est l'air et le feu, il est trop beau aussi, et ça se présente comme je vous ai montré, hein, plein de petites astuces et d'explications, voilà. Celui-là qui est protéger la planète, voilà, il est très beau. Sous la mer, voilà, avec les poissons et tout ça, il a l'air pas mal aussi. Voilà, plein de trucs. Il faut que je vous laisse. Je reviens. J'ai me revoilà après une demi-heure. Voilà. Je vous parlais des livres. Du coup, je continue dans ma série. Et j'ai les reptiles et les instincts. Et alors, celui-là, vous voyez, il a été écrit dessus. Il est marqué Eva, si je vois bien. Voilà. Mais ils sont très beaux. Non, celui-là, il a rien. Il y en a qui sont abîmés. J'ai l'impression d'avoir déjà vu. Il y a celui-ci aussi. Hop. Il y a la plante. Celui-là, j'avais pas vu, mais il est écrit dessus. Voilà.
Il a l'air vraiment pas mal. J'aime beaucoup, c'est le... les quatrièmes de couverture. Et voilà, ça se présente... Ouais, les saisons, c'est trop chouette. Par contre, j'ai cru que c'était... Les secrets des fleurs. Voilà. Ça, c'est quoi? Je sais plus. Spanta de sauvage. Sauvage. Ils sont trop beaux, ces livres. Les mammifères du sud. Oh, avec le gros lion. Celui-là, c'est quoi? Les ressources naturelles. Les poules. Voilà. Et encore une fois, vous voyez, c'est pas toujours la même chose. Quand vous l'ouvrez. Et... Oh, j'ai vu Halloween. Une détrouille. Voilà comment ça se présente. Je vous remonte, mais en montagne. Vous voyez, vraiment. Même à l'arrière, ça se présente comme ceci. Vous voyez, les... Un petit loup. Oh, que le poule. Il est trop beau, le petit chien. En fait, le premier que j'ai vu, c'était celui-ci. Et celui-là, il me donne très envie de me le lire. Les hommes et les animaux. Voilà. Avec un panda. J'ai trop envie de le lire. Voilà. Avec. Et là, je sais pas si... Là, on voit Mouchou. Regardez Mouchou. J'ai vu là, le livre de la jungle. Là aussi, il y a des trucs Disney. C'est trop. Et là, vous voyez, là, il y a un petit... C'est Mini, je crois. Non, c'est Mika avec Pluto. Voilà. Là, c'est quoi? La rivière du... les rivières du monde. Les oiseaux. Il m'en reste plus beaucoup. Les oiseaux. Tout. La terre et l'eau. Et la terre. Voilà. Oh, bah celui-là aussi. Et ceci, ça, il est écrit là-dedans. Vous voyez, c'est pas tout à fait le même. Les quatrièmes couvertures. Là, il y a un petit jeu. Voilà. Voyez-vous. C'est des questions. La planète et les questions et les réponses. C'est trop bien. Vous avez peut-être entendu monsieur, mais il joue à la console. Enfin, au PC. C'est dimanche, du coup, il en profite. Et du coup, vous l'avez peut-être l'entendre. Mais il joue. Il a la casse sur les oreilles, du coup, il s'entend pas, il gueule. Du coup, je voulais vous parler de ceci. La sorcière aux champignons, le tome 1 chez Glénat. Je sais pas si vous allez voir. Il brille. J'ai lu ça. Je vous montre quelques planches. Voilà. Je vais pas tout vous spoiler. Vous voyez, comme ça, c'est trop joli. Voilà. J'ai adoré l'histoire de cette jeune femme, enfin jeune fille. En fait, dès qu'elle marche, il y a des champignons qui poussent, mais les champignons sont vénéneux. Voilà. Du coup, Luna est une sorcière noire, comme ils appellent, c'est une sorcière noire. Des champignons poussent sur le sur tout ce qu'elle touche. Elle peut vous, par exemple, si elle me touche, je pourrais perdre le bras complet. Si elle touche la gorge, elle plus parler, plus de gorge, enfin voilà, comme vous pouvez comprendre. Tout ce qu'elle touche, et son souffle contient du spawn poison, et pourquoi personne n'ose s'approcher. Mais un jour, un beau jour, la sorcière solitaire fait une rencontre de rêve. Attention, l'histoire de la sorcière du champignon va commencer. Voilà, j'aime beaucoup, c'est le tome 1, il y en va avoir d'autres, je suis impatiente de voir la suite, je me prendrai la suite, voilà, j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore, je ne sais même pas si je l'ai rentré dans, si je l'ai rentré, je ne sais pas, il a eu un 8, mais c'est vrai que les mangas comme c'est plus petit, je les compte moins dans mes lectures, et pour la lecture du moment, c'est celle-ci que je voudrais bien continuer, j'ai lu un petit peu du week-end, mais pas des masses. Voilà, du coup c'est le sang et la cendre. J'ai bien avancé quand même. Je suis au chapitre 15, 251. Voilà, du coup je voudrais bien avancer. J'avais mis les post-it pour lire avec les filles du groupe, mais j'avais abandonné. Je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai commencé et je l'ai abandonné. Là je vais le continuer. J'ai pas encore passé la moitié, je suis là exactement. Je voudrais bien avancer. Je vais lire ça ici après. De vous laisser, voilà,
Voilà tout ce que j'ai à vous montrer. Il me semblait que j'avais un autre truc à vous montrer. Ouais. Bah ouais, les livres que j'ai pris mardi. Je vous les ai montrés, je pense. Ouais, je pense que... je pense que j'ai ouvert mardi ou mercredi pour vous montrer les livres que j'avais achetés. Il faut que je regarde dans les rushs. Je vais regarder après. ma grippe est toujours présente. Bon, elle n'est plus là, ma grippe, mais la toux de la grippe est toujours là. C'est compliqué, mais voilà. En fait, on vient de m'apprendre que ceux qui ont eu la grippe cette année, enfin dans les jours passés, qui gardent la toux très longtemps. Et moi, c'est ça le cas. Et du coup, quand je tousse, vous peut-être entendre là maintenant, je perds ma voix. Et du coup, quand je tousse, il faut que je repousse ma voix plus longtemps que les autres pour le moment. Vous voyez, j'ai déjà ma voix qui se pète en haut. Du coup, voilà, je vous ai tout montré. Voilà. Pour tous les livres que je vous ai montrés là, les BD, je suis très contente parce que tout ça, voilà, tout ça, pour 7 euros, c'est vraiment pas trop cher. Même si, voilà, il y a celui-ci qui a vraiment un gros défaut, je sais pas si vous allez le voir. Les ressources de la nature, il a vraiment pris un gros coup. Il y a celui-là aussi qui a un coup. Après, j'ai pas regardé partout, là, il y a un gros coup. Il y en avait d'autres qui étaient vraiment abîmés et que j'ai pas pris. Parce que je me suis dit, ça sert à rien. En fait, il y en a un que j'ai pas dedans. Mais il était ouvert. Tout ça était ouvert. Du coup, je me suis dit que les pages allaient pas tenir et que j'allais le perdre. Et du coup, je l'ai pas pris. Voilà. Mais je compte bien me les lire. Voilà. Je vais les mettre dans mes lectures du mois. Voilà. Demain, je vais faire du montage. Enfin, non pas de montage, mais je vais tourner des vidéos. Parce que depuis 2 semaines, je vous ai pas mis de vidéo. À part Pokémon, que je vous ai mis en vitesse, que elles sont montées. Il n'y a plus qu'à les mettre sur YouTube. Du coup, demain, je vous mettrai. Je vais essayer de faire ma palle du mois. Parce qu'on est déjà le 10. Voilà. Même si je pense que ma lecture là va me prendre un moment. Comme voilà. Mais je voudrais bien mettre je mettrais bien d'autres choses. Bon, je suis déjà contente, j'ai lu ça. Et je finis ça. Et la lecture qui était avant ce vlog, qui est toujours là-bas, qui est toujours pas fini. Je vais l'arrêter là maintenant. Enfin, je l'arrête et je le reprendrai. Parce que comme j'ai été malade, j'ai lu un petit peu quand j'étais malade. Mais je n'ai vraiment pas suivi l'histoire, en fait. Je suis vraiment perdue dans l'histoire. Du coup, je le reprendrai. Plus tard, pas tout de suite, mais là je le reprendrai plus tard parce que là j'ai vraiment pas le temps de le reprendre. Voilà, du coup je le reprendrai plus tard. Et quand j'aurai fini ça, il faudrait aussi que je finisse un palais d'épines et de roses. Je l'ai entamé, je l'ai bien entamé, mais je l'ai pas fini. Voilà, du coup je voudrais bien. Voilà, il faut que je fasse aussi le point lecture du mois de février. Que j'ai pas lu beaucoup parce que j'étais malade bien une semaine et demie. Du coup voilà, et là c'est pas encore tout à fait remis, et voilà. Et je vais regarder si je vous ai tout montré, les livres de mardi. Si je vous ai pas montré, je vous les montre juste après, mais je pense que je les ai montrés. Du coup moi je vais vous laisser. Je vous reprends demain parce que là je vais bouquiner, j'ai envie de bouquiner. Voilà, du coup je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous me voyez dans les 5 secondes à peu près, c'est que je vous ai pas montré les livres que j'ai achetés. Sur ça, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde. Bonjour mes tutos, j'espère que vous allez bien. Moi très bien, à part cette tête un peu désolée, mais enfin soit. Je reviens dans ce vlog, on est mardi 12 avril. Il faut que je réfléchisse. Voilà, je voulais vous revenir dans ce vlog. Non, j'étais mieux comme ça. Dans ce vlog, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai mal partout, mon genou, j'ai très mal mon genou. J'étais au sport. Et voilà. Et puis, j'étais au magasin avec ma tantine. Et... j'avais un livre que je voulais absolument me prendre, mais j'avais un doute au début parce que voilà, je suis pas fan du format,
Mais comme il est en poche et qu'il est moins cher que en grand format et en hardback ou en paperback, je me suis pris Bone Thin Zone. Voilà, je suis pas fan de la couverture. Après tout, elle est pas moche non plus. Je vous montre un peu plus. Voilà, de Samantha Shannon, le tome 1. Voilà. Du coup, je vais me le chercher. Voilà, il est au prix de 9,40. Voilà, c'est celle qui a écrit le prix. Je sais plus parler. Il est là. Le prix orange. J'ai le gros. J'ai toujours pas lu non plus. Voilà. Et voilà, il me tentait bien, mais il fait quand même pas 600 pages. Voilà, du coup, 664 pages qu'il fait. Voilà, et voilà. Je ne sais pas quand les autres sortent. On va essayer de se le faire. De base, il est sorti en grand format chez Dosaxus. Mais voilà, je me dis que je suis pas fan de la tranche, mais voilà. On va faire avec et pour le prix, voilà. Et j'ai craqué pour un autre. Je sais pas pourquoi, la couverture me tentait bien. J'ai même pas lu le résumé. Voilà. Voilà. Les voisins et les ours à poil à rageant. Il est trop beau. J'aime bien la couverture en fait. Je sais pas. C'est écrit à deux mains, je suppose. Ah, j'ai ça tout. Celui-ci, il est à 7,50 et celui-là, c'était à 9,40. Voilà. Bon, celui-là, je vous parle pas du résumé parce que la plupart l'ont déjà lu. Voilà, je ne sais pas quand je vais le lire. Pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais je le voulais. Voilà. Et celui-là, il me donne très envie de le commencer. Mais j'ai déjà dans ma lecture. Voilà. Oh, ma carte. Mon abonnement. Pas que je la perde. Sinon, je vais encore me dire. Du coup, voilà. Mon voisin et les ours. Quoi de plus extraordinaire pour exister que d'avoir un ours comme voisin. Un caractère rubin man professionnel, un regard de prédateur grognon et une autre vision virile. Pas de doute, Timothy, le nouveau voisin de Annabelle, a tout d'un ours. N'importe quelle personne, ça c'est l'esprit est doué d'un instant de survie, restant discret et évitant à tout prix la conteste, sauf que Annabelle est plutôt de genre à forcer dans le tas, et dès que leur première rencontre, elle n'a pas pu s'empêcher de le provoquer. Si elle quitte Paris et son retard à un petit ami, ce n'est pas pour le laisser l'impression par le premier homme venu, et même si l'ombre avec toi et Tony, enfin le nom, Timothy, est déjà électrique. Elle ne rate pas une occasion de pousser au bout, mais quand elle découvre que le dernier, cette façon se cacher d'un père célibataire tout à fait charmant et aussi perdu qu'elle, elle se dit qu'ils ont peut-être plus en commun que le sale caractère. Voilà. C'est Upper Collins, c'est en poche. Voilà. C'était une édition spéciale. Édition. Voilà. J'aime beaucoup la couverture. Elle est brillante. Mais voilà, j'aime beaucoup. Voilà pour les deux petits achats du jour. Voilà. Et pour autre chose, je suis toujours dans ma lecture. Voilà, mon gros pavé. C'est pour ça que je pense pas lire l'autre avant. Entre eux. Enfin, vous avez compris. Pas pour le moment. Quand j'aurai lu ça, je pense que je vais essayer de me trouver une petite lecture sympa. Bon, il est où mon marque-page? Il est là. Je suis à la page 288. Je suis en plein milieu d'un chapitre 18. Je crois que j'ai lu deux ou trois chapitres.
depuis hier, je pense, je sais pas. Et là, je pense que je vais me remettre à lire. Voilà, j'ai vraiment pas envie, j'ai encore plein de choses à faire, mais j'ai pas le courage. Du coup, voilà, parce que là, j'ai mal mon genou, du coup, je vais reposer un peu mon genou. Et après, je sais pas, je vais peut-être me reposer 1 heure, lire 1 heure, et après, j'irai faire ce que j'ai à faire. Voilà, sur ce, voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire pour le moment et je reprendrai plus tard. J'ai chaud au nez. Je reprendrai plus tard. Voilà. Et j'ai acheté un truc que j'ai mis sur mon téléphone. Je sais pas vous le montrer. Voilà. Vous voyez un truc qui. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec un. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, c'est pas un anneau. C'est l'autre avec qui s'est plié. Du coup, voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller me plonger dans ma lecture, voilà, et je vous dis à plus tard. Bonjour mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien, moi très bien. On est le 14 avril, le jeudi 14 avril. Je vous ai pas pris hier parce que j'avais pas grand-chose à vous dire. Hier j'ai fait plein de choses, j'ai fait toiletter ma fifi, j'ai fait les quelques machines que j'avais, j'ai fait les litières de mes enfants. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ma vaisselle, préparer à manger. J'ai fait plein de choses. J'ai monté la vidéo pour lundi que j'ai uploadée sur YouTube. Elle est programmée pour 8 heures. Comme ça, elle est mise. J'ai mis la vidéo de mercredi. J'avais fait plein de choses. J'ai fait un petit peu de montage. J'avais bien avancé. Et voilà, j'étais contente. J'avais bien avancé. Ça fait du bien. Voilà. Et j'ai fini aussi la saison 1 et la saison 2 de les chroniques de Bridgerton. Voilà, je cherche après le livre, mais pour le moment ici il est en rupture de stock. Et j'ai parlé avec quelqu'un, m'a dit qu'il était en rupture de papier. Du coup, c'était logique que pour le moment on n'avait pas de restock. Du coup, voilà. Peut-être voir le cul de mon chat. Voilà. Du coup, c'était logique qu'on n'avait pas de restock pour l'instant. Du coup, bah, je reprendrai plus tard. Voilà. Et ma lecture en cours qui est toujours je suis mieux que je fasse ça. Le cendre et la cendre de Jennifer Allamand Trout chez. Je sais jamais parce que comme ici, j'ai le peur. Le toc-toc. Il n'est pas marqué. De Saxus. De Saxus. Il est juste marqué DS, mais DS, moi, voilà. Et j'ai bien avancé hier. Je suis. Là, je vais lire. Je pisse. Page 30. 30. Non, 23. Je suis à la page 359. Je suis en plein milieu du chapitre. Enfin, je suis dans le chapitre 23. Et je suis à la page 362. J'ai lu un petit peu hier et je me suis endormie parce que les chapitres sont quand même assez longs, je trouve. Du coup, voilà. Voilà mon gros bébé. J'avance. Je suis quand même à la moitié ou dépassé la moitié. Je sais pas pour vous, dites-moi. Je crois que pour moi, je suis à la moitié là. Plus ou moins à la moitié. Voilà. Il fait quand même 663 pages. Du coup, voilà, j'aimerais bien essayer de terminer pour mercredi. Du coup, je vais avancer, il me reste plus beaucoup. Tout ça est déjà parti, il me reste là. Voilà, et c'est qu'il faut que je lisse.
Voilà, parce que je suis un petit peu de retard, je pense, si j'ai bien compté hier. Que j'avais compté pour que ce soit jusqu'à mercredi. Et là, il me semble que j'ai un ou deux trucs en plus. Du coup, je vais essayer de m'avancer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas grand chose à faire. Mon montage est fait. Mes machines sont faites. Voilà. Et en plus, il fait pas très bon dehors. Il fait. Vous voyez, j'ai quand même de la lumière, mais il fait gris. Comme un temps de pluie. Et derrière, par là, on voit mieux parce que là, c'est devant, derrière. Et derrière, avec tous les jardins, on voit qu'il y a du brouillard sur les jardins. Devant, ça n'a pas l'air. Alors, je me demande si c'est pas du brouillard un peu partout. Je ne sais pas, on verra. Et là, je me suis apprêtée, je suis levée tôt. Il est, je vous ai même pas dit, il est 8h04. Et je suis prête pour aller au sport. On vient me chercher. Mon ami vient me chercher vers moins quart, moins 10. Voilà. Parce que comme je vous ai dit dans le vlog précédent, je pense, que normalement j'ai une salle de sport à un quart d'heure de chez moi. Sauf que pour le moment, elle est en travaux. Et du coup, ben. Il faut que j'aille ailleurs avec mon papa, parce qu'au début j'allais avec mon papa au sport, mais là il n'est pas là. Enfin, pour moi, il n'est pas avec moi. J'allais à Courcelles, mais la Courcelles, la salle est trop petite et on avait l'impression d'étouffer. Mais j'allais aussi avec quelqu'un qu'on disait quoi. Et là, je suis pas fan de la salle et du coup, j'ai testé mardi. La salle de Charleroi, et j'aime beaucoup plus celle de Charleroi. Du coup, je retourne à Charleroi et c'est pas plus loin pour moi. Enfin, pas plus loin en voiture. C'est le même temps. En prenant le ring, c'est le même temps quoi. Parce que, sauf qu'à Courcelles, c'est tout des petits chemins. Voilà. Et pour moi, c'est plus de temps là, à Courcelles qu'à Charleroi. Parce qu'à Charleroi, je descends juste devant le. Je descends presque devant la salle de sport. Du coup, voilà. Du coup, je vais à Charleroi, c'est plus facile. Et en plus, pour ceux qui vont en voiture, c'est plus facile pour se garer qu'à Courcelles. Parce qu'il n'y a pas de place. Plus ou moins devant, il faut aller se garer plus loin sur la place. Et la place, elle est pas au top top. Voilà. Que là, il y a un parking devant. C'est plus facile, même si on est au bout, on a quand même pour marcher, mais ça me dérange pas de marcher, c'est pas ça. C'est juste que voilà, là-bas, je suis pas fan de la place à Courcelles. Qu'ici, voilà, il y a plus de place quand même. Pourtant, les plus petites places, mais il y a moins de magasins autour. Du coup, à Courcelles, il y a plein de magasins et c'est ça qu'il n'y a pas de place. Puis il y a les maisons aussi autour et qu'il faut qu'ils se garent aussi, du coup, voilà. J'ai ma fille qui me regarde. Elle est toute belle en plus, elle a été toilettée, elle est toute magnifique. Voilà. Voilà. Du coup, là, je vais lire un petit peu parce qu'elle vient me chercher entre moins quart et moins 10. Il est 8h05, 6. 5, 6 quoi. Du coup, je vais lire un petit peu en attendant. Essayer d'avancer. Et en fait, non, quand je regarde comme ça, je suis pas vraiment pas la moitié. Il faut que j'avance encore un peu. C'est vraiment quand je regarde comme ça. Voilà, je suis pas du tout à la moitié. Quand on voit, je suis pas du tout à la moitié. La moitié, il faudrait que plus ou moins encore ici quelque part. Quoi. Enfin, soit je suis pas loin de la moitié et je suis très contente d'avancer. J'aime beaucoup la lecture. Je vous en parle pas trop parce que voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu. Ici, on va suivre une jeune fille qui a perdu ses parents et elle va être prise par quelqu'un. Je sais plus le nom. Enfin, soit. Et elle va devenir la fille la plus... Enfin, je vous en expliquerai plus. Parce que là, j'ai vraiment pas envie de déboiler. C'était un livre à lire. Moi qui n'aime pas la fantasy. Enfin, je suis pas fan de la fantasy. Regardez, vous avez mon chat là qui dort. Il dort. Et là, c'est ma porte d'entrée. Woody ? Je fais gros dodo mon cœur. Fais coucou. T'es là, là ici, là, là. Vous voyez pas, mais il y a sa patte allongée là, il y a sa patte, c'est un pas chat. Et de l'autre côté, il y a sa patte qui sort, je sais pas si vous voyez, voilà, la patte qui sort.
Là, les pattes, là, je sais pas comment il fait pour dormir. Voilà. Là, c'est mon sac de sport. Ouais. Et voilà, je vais aller lire ça. Je vais essayer d'avancer. Voilà, pour essayer de terminer pour mercredi. Et je disais aussi, c'était de la fantaisie. Mais j'avais peur de rentrer dans la lecture. En fait, quand j'étais avec le défi avec Mariette, depuis janvier jusque mars. Ouais, mars. Ouais, jusque mars. Comment dire? Ce livre me mettait, pas, je le voyais et il me donnait très envie de le lire. Et maintenant que je suis dedans, je ne, j'ai plus envie. Enfin, plus envie. C'est pas l'envie. L'envie est moins présente en fait. Je sais pas pourquoi, mais pourtant il me donnait très envie au moment où je lisais les livres avec Mariette. Et là, il était là comme ça en train de me regarder. Lis-moi, lis-moi. Et maintenant que je suis dedans et que j'ai le temps de le lire, la petite envie que j'avais, elle est partie. Et là, je m'oblige un petit peu de le lire parce que je veux absolument le lire. Parce qu'il y a le tome 2 qui sort dans 2 mois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en juin. Juin entre 22. Dans un rang du 22 juin, si j'ai bien vu sur Pouknote ou Livre Addict. Un des deux. Et du coup, je voudrais bien le terminer pour savoir comment c'est l'autre quand il arrivera, quoi. Voilà. J'ai toujours pas commandé. On peut toujours pas le commander. On sait déjà toujours pas à quoi il va ressembler. Voilà. On sait juste que son nom c'est oh, le sang et de feu, un truc comme ça. Voilà, je sais plus. Je vous dirai bien. Je dirai peut-être tantôt si vous voulez le titre exactement. Mais là, je vais continuer sur et je vous laisse parce que là, il est déjà 10, presque 10. Il est 10. Et du coup, ça me fait plus que perte de 5 minutes de plus. Pour bouquiner. Sur ce, je vous laisse et je vous reprendrai plus tard. Bonjour, mes petits lucioles, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. C'est la télé que vous avez la lumière bleue. Je suis désolée, mais j'ai ma série qui va commencer et je voulais vous entendre monsieur qui crie, mais il est occupé à jouer avec ses collègues, enfin copains, pas collègues, copains. Du coup, voilà. Mais moi, je viens pour vous parler de quelques petits trucs, de ma lecture en cours. Et conclure ce vlog. Je suis pas complètement dans le cadre, mais c'est pas grave. Du coup, hop, j'essaie de me mettre correctement. Du coup, je vous montre celui-ci de Julia Percy. Je sais pas le nom, Boy, Baby Boy, chez Hachette et Rose. Je pense que c'est ça. C'est trois la même collection. Je sais jamais si c'est Hachette et Rose. Upper Colline. Upper Colline. J'aime beaucoup et je vous parlerai plus en détail de la quatrième de couverture dans le prochain vlog parce que là j'ai vraiment pas envie et puis si j'ai pas vous entendez je commence à perdre ma voix du coup je vais vous parler juste de la couverture et si ça t'intéresse vous prenez le nom et vous allez sur Booknote ou Livre Addict que vous aurez la quatrième de couverture si ça vous dit voilà parce que là je vais pas insister je commence à avoir mal. J'ai aussi Rappelle-moi de te détester de Victoria Arabaxi. J'ai toujours Upper Collines. Voilà, il est trop beau les couvertures. Vous voyez la télé derrière, je suis désolée. Voilà. Alerte rouge. Toujours pas regardé en plus. Voilà, ils allèrent pas mal. Excusez-moi. Il y a celui-ci aussi chez HarperCollins, il est plus gros que les autres. Sexy litre. Je sais pas comment ça se dit. Voilà, chez aussi HarperCollins. Et c'est Linda Kada. Kada. Je sais pas comment ça se dit. Il me tente vraiment bien. Je vais peut-être vous parler quand même. Je sais pas si vous entendez fort, monsieur, ou pas. Et pour le dernier, j'ai pris celui-ci, qui n'est pas chez HarperCollins. C'est de Taille L. Plémartin. Blandine P. Martin, c'est ça. J'aime beaucoup la couverture. Lisez par le feu. J'aime beaucoup, je ne sais pas si vous allez voir, il est long aussi. Et alors, j'aime bien. J'espère que vous allez le voir. Voilà. Les chapitres. Mais ils sont trop magnifiques.
Je vais chercher à boire, ça va peut-être aller me faire du bien. Je reviens. Voilà, j'ai bu et ça a l'air d'aller mieux. Du coup, voilà, je vais vous parler un petit peu de la quatrième de couverture. Oh, tu es chiant, grosse. Couche-toi. Allez, couche. Couchez. Du coup, nous avons traversé les mêmes épreuves. Ce soir-là, personne ne peut comprendre ce qui nous lie. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mon aide, comme j'ai besoin de le sien. Elle m'a idéalisé, mais va vite regretter d'avoir fait. Pour fuir de passer, Maya et Maya se dévoile corps âme et mérite le contraire de mammifère. Marin lui permet de suivre le présent. De son côté, Jess donna une vie parfaite, réglée et superbe, fiancée à Chloe, soudain et par-dessus tout. C'est quelqu'un plus qu'un mérite une vocation de pompier à Toronto. Vivre du roman opération au risque. Voilà. Et vous avez les deux personnes qui ont écrit. Voilà. Pour celui-là, je vais essayer quand même de vous faire un. Pour celui-ci. Je vais faire. Ah ouais. Il commence à faire nuit. C'est quand même 6h30. Enfin 6h15. Faut que je change ça aussi. On veut le faire. Voilà. Pas encore commencé. Belle à croquer. Il suffit d'une soirée déprime et légère, alcoolisée par qu'elle me trompe d'éternité et clair au réconfort et à la mauvaise personne. Et à la seconde où Fox Park a passé le seuil de l'appartement, elle a su qu'elle ne pourrait pas en aucun cas lui résister parce que le corps de la Salut, embrasserait tous ses sens et ses lèvres avaient le goût de l'interdit. Elle ne fait Fox et hors limite. Il est le meilleur ami de Grayson, le jumeau de Belle, là, qui ne supporte pas apprendre la vérité autour. Elle est incapable de se tenir à distance de Fox qui fait tout son possible pour attirer le souvenir de leur nuit de folie et de sa peau brûlant contre la sienne. Le jeu dangereux pour Bella qui refusera de se blesser son frère déjà étrangement distant comme si je lui avais caché quelque chose. Voilà. Une amour interdit. C'est bon ça, l'amour interdit. Du coup, je vous parle de celui-là. Alors, qui aime bien donne mon avis un meurtre. On a en traction de seconde, tout va que Camilla avait planifié en secours. Fiancé parfait qui se révèle être un menteur et un homme manipulateur. Son entrée dans tant de jeunes avocates dans le cabinet de son père où son ex travaille. Super. Lorsque Camilla prend pour une fois une décision un peu folle, rejoint sa jumelle et quitte le domicile familial pour libérer son contrôle parental à Los Angeles pour y passer les vacances sur place. Elle découvre que sa sœur est plutôt bien débrouillée. Elle vit dans une merveilleuse villa en colo avec deux acteurs stars. Une série fantastique ou adolescence, mais si Romeo, le copain de sa copine, accepte chaleureusement et tout contraire pour Adam,
Un regard brûle tatoué ne cache pas son reconsentement et va même juste dévoiler tout mon énergie pour essayer de se faire partir avec Camille. Voir rien clair dans le jeu, attaque de son que d'expérience, un homme qui suffit. Et lorsque elle surprend en train de draguer, elle comprend Adam est toxiquement. Voilà, ça donne aussi envie. C'est quand même à écrire assez grand quand je vois les quand ils sont petits. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, mais il me donne très envie. Voilà, je vous en parle. Je vous lis la quatrième de couverture. J'ai l'impression d'être de plus en plus près en fait. Alors, il ne lui faut attirer que des ennuis, mais il ne faudra plus pour le faire fuir. Oh, et pas un genre à se laisser marcher sur les pieds. Et ça ne risque pas de changer. Comme si elle n'est si elle est la petite nouvelle du lycée Arche. Après tout, elle n'ira rien à Jade. Le mec canon. Jazz, je sais pas comment ça se dit, G-A-C-H. Canon donne le donc le corps tatoué fait rêver tous les campus intéressés à elle. Lors d'une question honore, son regard est coin uniquement pour satisfaire celle qui la jalousie. En tant pis si elle devrait la cible numéro 1 de leur coupe. Kuba, ça ne leur fait pas peur. Non, la seule chose que je pourrais s'éloigner de Jade, c'est cette part d'ombre, celle qui tente de dissimuler autant, mais qui ne lui a pas échappé à elle. Hope sait que le rapprochement d'un boy pourrait être un jeu dangereux, mais elle est prête à prendre le risque lorsque ce soit condescendant. Voilà pour cela. Voilà pour les quatre que j'ai à vous montrer. Voilà. Il y en a un qui va passer la casserole, je sens. Je pense que ce ma pile à lire de ce mois va changer. Excusez-moi, mais j'ai la toux. J'ai encore la voix qui déraille. Et puis ma lecture en cours, c'est toujours de sang et de. Le sang et de cendre de Jennifer Adamantrucci de Saxus. Je suis à la page 418. Je suis en plein milieu d'un chapitre parce que j'ai lu tantôt et. Enfin, je suis presque à la fin d'un chapitre, je pense, non? Je sais pas. Je suis dans un chapitre, je sais plus lequel, mais je suis passé la moitié, je suis là. Voilà, je suis là. Il me reste tout ce qui est rose là, à lire. Voilà. J'aime beaucoup pour le moment, l'univers est assez riche. Ce matin, j'ai lu une course par. Je sais pas, j'ai lu une dizaine de pages. Et je suis arrivée dans un truc qui se passait. Et j'ai dû le lâcher parce que je devais aller travailler. Et ça me fait chier. Et cet après-midi, je pensais me remettre dedans. C'est vrai que j'ai bien lu, j'ai bien avancé. Je suis contente. Et je voulais vraiment me mettre dedans cet après-midi. Mais je suis rentrée qu'il était 1h. Et monsieur finissait à 1h30 et il arrive vers 2h. Du coup, il me restait 1h pour lire et je ne l'ai pas lu. J'ai choisi d'autres choses. J'ai regardé Elite, la saison 4 sur Netflix. Du coup, je ne l'ai pas lu, mais je vais le reprendre juste après ma série qui va bientôt commencer logiquement. Je vais le reprendre après. Et j'aime beaucoup. Je vous en parlerai plus la semaine prochaine, je pense. J'espère de le terminer la semaine prochaine. J'aimerais bien le finir mercredi. Gros max mercredi. Voilà. Mais je ne suis pas sûre. Ouais, monsieur, téléphone. On est désolé. Mais revoilà. En fait, c'est le téléphone fixe. Et c'est encore pour des démarcher la nouveau magasin. Enfin, souhaite. Du coup, je disais, l'univers est très riche. J'aurais pensé d'avoir dur à lire la fantasy comme ça. Mais j'aime beaucoup. Du coup, je pense que je vais essayer de refaire. Intéressée à Jennifer Adamantrucci dans l'univers fantasy romance. Voilà. Mais le tome 2 sort bientôt.
Il est dans 2 mois logiquement. Et ici, il est toujours pas possible de le commander. Parce qu'on n'a toujours pas le visuel sur le tome 2. Du coup, voilà, tant qu'on n'aura pas le visuel sur le tome 2, on ne pourra pas le commander. C'est ce qu'on m'a dit. Du coup, voilà. Et, mais je vais essayer de m'intéresser un peu plus à Jennifer Lamontrout. J'aime beaucoup son univers. L'écriture est fluide. Ça se lit tout seul. Il y a des moments où j'avais l'impression de ne pas avancer. Et j'avais lu presque 50 pages. Je ne les ai pas vues passer. Ça se lit vraiment tout seul. Ici, c'est parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Et puis, à un moment, j'ai des moments où je regarde trop la télé. Ici, j'ai le PC que je vais couper après quand j'aurai fini avec vous. Comme ça, je vais faire transfert directement du fichier sur mon PC. Parce que demain, je ne suis pas là. Enfin, vous l'aurez pas déjà. Non, je sais pas. Enfin, soit ça dépendra le temps du montage de la semaine prochaine. Si j'ai du temps ou pas. Du coup, je disais que voilà, et je ne sais je vais après vous remettre le fichier sur mon PC. Comme ça, lundi matin, je pense que lundi, je vais faire le montage de ce vlog. Et il y aura aussi le montage du vlog de samedi, parce que là, on va que samedi, je pense, vlogger. Voilà, on va oh, je ne sais plus le nom, truc de troll à Mons. Je sais plus le nom. Festival de trolls. Non, c'est pas. Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, soit à Mons, c'est un truc. C'est le week-end 16. Enfin, c'était 15, 16, 17. Si je dis pas de mots. Voilà, il y a 2 concerts. Il y a l'entrée pour demain. Il y a. Je sais plus quoi. Mais nous, on va juste demain. Parce que ça revient cher. L'entrée est quand même à 15 euros. Et du coup, voilà. Ici, c'est juste. Ça fait un moment qu'on a envie d'aller. On n'avait pas le crédit d'aller. Et voilà, on se dit toujours cette fois-ci on pouvait aller, on n'a rien de prévu. Les moyens le permettent aussi, du coup on va aller voir ce qui se passe et je vais vlogger un petit peu là-bas. Je sais pas si je vous prendrai toute la journée, mais je vais essayer de faire le plus possible. Voilà, du coup je vais vite complètement ma caméra, comme ça j'aurai assez de place pour filmer. Et je tousse tout le temps, j'espère que ça va aller mieux. J'ai mis du produit, mais il faut le temps que ça fasse effet. Du coup, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous plaira. Il y a quand même du contenu. Mettez plein de pouces bleus, des commentaires, vous faire des gros bisous. Et il y a quand même 2 semaines de vidéos. Enfin, il y aura 2 semaines de vidéos, plus ou moins. Parce que j'avais déjà pris la semaine passée. 1 ou 2 jours, je pense. Je ne sais plus. Enfin, soit. Du coup, il sera un peu plus fourni cette semaine. Ce vlog. Sur ce, moi je vous laisse et je vous reprends lundi sans problème et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.